Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette émission. Vita Consecrata est une émission produite et proposée par l'Union des religieux et religieuses du diocèse de Grand Bassam et diffusée sur Radio Espoir et Radio Paix sans Vie. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de l'extension de la catéchèse sur la vie consacrée en langue, nous recevons aujourd'hui le révérend père Parfait Avalanche Kofi Diongo. Il nous vient d'Abouasso et c'est lui qui aura la lourde charge de traduire cette émission en nani. Bonjour mon père. Bonjour Pierre Kipré, merci de me recevoir à la radio Paix, à la radio Espoir qui va passer également sur la radio Paix sans vie. Cette émission s'appelle Vita Consecrata. Elle est produite et réalisée, voulue d'ailleurs par l'Union des religieux et religieuses du diocèse de Grand Bassam. Bonjour mon père. Bonjour monsieur Pierre Kipré. Alors, vous traduisez déjà ce qu'on vient de donner comme introduction. Yashin, yashin, mahin, mahin. Ene, ngemo kamo ya yawane radio espoir. Ye, yaman ya yawanyo. Otia daoumo ye babo. Na daouso ne... Basamo akpasu anaso bemo ye be fele be se mo no pele mo mo be we ku mo fanu fanu ni anune be den ye ba ma ye yo adawson yo adawson ni ye bole bo ya fo ko nsane na ke kada de ye kan ya ni enu ye kan ya nyinu ma ye kwa ti mo ye ye wo basamo akpasu anaso mo ye ti anyi ni ye bo bo den ya ti bubie ane adawson ni ebo pa mu nu yo le beni ha be moye be wasoni ni moye be te pele ese be te se moye yensi ma be we kundo wonu be ula ta denga kirenga kirenga kirene yensi ma be ni odike ibe kikle nu ma ye te bo pa ba ko be be nandi ni be nzuke juma ni be di nzuke be yone ye ye ba hanu ye ba bonu da wu ye kle moni. Et l'invité du jour, c'est le révérend père Avalanche Parfait Kofi Diongo. Il est prêtre stigmatin, il est infirmier, éducateur au collège catholique Père Dioum d'Ayamé. Anemo mmo 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 ne ba djo wa ne moye ne ni ma pe ki pri a fele mi ma ma ne be fele mi Kofi Diongo Avalanche Parfait mi ma fele mete pele ese mo wa pele ekunu ekumo be fele e stigmatin ne mi mo be se bon be wa bo so ne mo ba se ye na mo pele li no mo be kuni bi enu ye mo wonyo se mete pele mete docteur infirmier se mi wo collège mo be fele e school mo be wo aya mi mo be fele pele mo school mo wa aya mo be fele e pe gyo mo ne e lo ye mi di juma ni yo mi lo mete infirmier lo na se bo mi yo kamatma mo ma be so kata
yene nyamya dawluma yene ma pye kepe be may la asema ya maya ya wange mohi e ba han yeku ni anu jone ye klebe ndukati ye ye be fere be religieux ndukati ye be te bende make pere chine kamo bende make asoni ni mi ni ang banswa. C'est magnifique. Vous venez de poser donc une autre question. Pourquoi est-ce qu'on les appelle religieux? Pourquoi est-ce qu'on les appelle prêtres? Pourquoi est-ce qu'ils sont consacrés? Essayez de nous présenter un tout petit peu la vie consacrée. Alors, la vie consacrée, il faut dire que d'abord, c'est un chrétien ordinaire, un laïc qui sent un désir et qui veut ne plus s'arrêter seulement à son baptême ni à sa confirmation, et mais en même temps qui ne veut pas aussi se marier, parce qu'il y a le sacrement du mariage, mais qui veut faire une expérience particulière avec le Christ. Il pourrait bien être un séculier, un prêtre diocésain, mais il décide de ne pas être diocésain, de ne pas s'attacher à un diocèse, mais il rentre dans une communauté religieuse. Et la communauté religieuse, c'est de vivre une expérience particulière que quelqu'un, un fondateur, a senti, un charisme, et que nous voulons partager. Donc ce chrétien, ce laïc-là, décide donc de rentrer dans cette communauté pour faire cette expérience. Et Vita Consecrata définit cela comme suivre le Christ de plus près, par la pratique des conseils évangéliques. Conseils évangéliques, c'est un peu imiter le Christ pauvre, chaste et obéissant. Ane ye ye ni ma bien qui prenait bisa mais que belle sonne mon sœur mon sonne moi ye ben de ma que beti mi ngba mbé wa sonne ni moi ye ndon ye umbe ya ya sonne mon nu ye umbe be ula beta dia nga chile nga chile mi mo bo be fere be si matin mi mo fere be franciscain mi mo be fere be don orione mi mo go so bo sœur pauvre mo ye ye ya ya sonne mon nu ye umbe. Ane be du mois son bedini bouyo le beniha ya me kan ke otike mi ni ambe kwa sonen ke ya kwa ke kwa sonen ni ba sonen be mi mo bo ba ye be confirmation na kama ya be ngule ke be ja aja wanza wanza ye be Jesus Christ so sie ni be kuna ke be monteni wo yo chinje na ke ngwa kwa so bo so be Jesus Christ so sie ni be ma be ko nyunu be ma be manta be yo ke Jesus Christ. Et on dit, mais nous sommes là, il y a quoi, mais quoi? Mais si Jésus-Christ est là, c'est Jésus-Christ est là. Il y a Jésus-Christ est là, nous sommes là, que Jésus-Christ est là, qu'on a dit, moi je suis là, il y a bien, il y a bien. Il y a bien, il y a bien. Jésus-Christ, ben vous le coussons manu, et coufons nous faisons ça, ben vous le noua, ben vous le coulons noua. Dikè bien la meilleure couni n'ayoni, yé ben yonio. Que dikè moyé, on dikè c'est ce coup yé ben clair en soi, ben yonia. Que cou quoi yoni, yé ben yonio. Mais ni ansoi ni mo anujo, yé ene yé ni ma bien ni ma yé kan yé clé ben yon. Parler de la vie religieuse, il faut d'abord parler de vie chrétienne d'abord. D'accord. On ne peut pas parler de vie religieuse sans parler de la vie chrétienne. Il y a ce qu'on appelle l'initiation chrétienne. Tout homme qui sent le désir de suivre le Christ doit venir d'abord à la vie chrétienne. Mmh. Donc l'initiation chrétienne fait son baptême et par son baptême, il devient automatiquement consacré au Christ d'une manière ou d'une autre. C'est le sacrement du baptême qui nous configure au Christ, okay. Au préalable. Nous devenons donc des autres Christ, à des Christes. Ok. Et après ce baptême-là, il y a la confirmation qui nous fait des témoins. Nous recevons l'Esprit Saint, devenons des témoins dans le monde. Donc, nous sommes chrétiens et nous devons être dans le monde des témoins du Christ. Donc, l'initiation chrétienne fait de nous des témoins. Mais, après cette étape-là, maintenant, quelqu'un peut décider, moi, je ne veux pas m'arrêter à ça. C'est la base. On appelle ça initiation. C'est la base. Je ne vais pas m'arrêter à cela. Je vais aller un peu plus en avant. Et donc, c'est là que commence maintenant le cheminement à la vie religieuse. Mais j'en viens, je vais traduire d'abord. Oui, allez-y. Alors, il y a quand même... A son abonne, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps.
odike ye kwa moye ye nwa ya kpune zozu krisi ni yesi so ni odike ye kwa so ni ye aso ni moye kwa ni odike ye yo kadesi ma be so ni ye e so ni ani moye kwa so ni woni anotike okusu ba ka zozu krisi biye okusu onwa zozu krisi du ma moye aso ni du ma moye be di ni izu du ma ma fa tun ye ke krisi amani okusu onwa ba be tun du ma so ni e wo lo ye afri e kpiri ni I will know one be. Afri Billy Mobile, great young man. I will know one be. A best on a wa, I will know one, or the Calcosoba, a catchy case of the greasy. It's so sinny, a catchy be, a catchy just of what? A catchy just of what? Yeah, best on what be your bar. Be a sacrament come or come out or sonny, you're the beginning, you have a confirmation. Confirmation, or the care, and your son was an animal, ma, a catchy money, a catching zole, the green zole, ma. Like biala meyoni wonyoli ene wodwodwole ne wonande ene wolike biala meyoni odike oka chinzole o mama ne ide meni onwa ba bi aka dede ba soni yo ni aya soni ma okoni ote fon wote ote onande so fon wote ana hole sebo oyo ehimia o mama ni ama mekosu mo yebo be ngoma soni bi ene be nwo so ani ane bo be kosu be ma be ba soni bi de ba su Jesus Christ so bi o sanke wo aka chinzole ama be. Alors, après cela, les étapes maintenant pour... Après la confirmation. Après la confirmation. On a les deux appels. Après le soit au mariage ou à la vie consacrée. C'est ça, les sacrements du service. Il n'y a pas que la vie consacrée. Soit au mariage, soit au sacerdoce. Si, ça, si. C'est les deux états de vie. Vraiment. Et après, il faut dire qu'après, il y a l'autre état de vie qui est la vie consacrée. Ok. Un état de vie stable, après le pape Jean-Paul II dit que c'est un état de vie stable. C'est-à-dire que on a le sacerdoce, d'accord, le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage, oui, dans les sept sacrements. D'accord. Mais il y a la vie consacrée. La vie consacrée vient comme l'entre-deux, parce qu'il y a des religieux qui ne sont pas prêtres, il y a des religieux prêtres. Donc c'est comme l'entre-deux des deux sacrements. D'accord. Là, donc ils ne se marient pas. Mais ils ne sont pas aussi prêtres forcément. D'accord. Mais il y a des religieux prêtres. Ils sont... Oui. Donc, c'est une étape... Oui, vous êtes religieux prêtre. Moi, je suis religieux prêtre. Mais il y a aussi des mariés consacrés aussi, non? Il y a des mariés... Il y a dans certaines congrégations où il y a des personnes qui sont mariées, mais qui sont consacrées. Ils ont une autre manière de vivre leur consécration dans la famille et tout cela. Mais il y a des congrégations aussi qui sont seulement pour des frères et des prêtres. D'accord. Ou des sœurs seulement. Ok. Et ces personnes ne sont pas mariées, ils sont consacrés au Seigneur. Pour les frères, pour les sœurs, c'est plus facile à comprendre, parce que c'est des femmes, elles ne sont pas prêtres de base, mais elles sont, donc on les appelle leurs sœurs. À ce niveau-là, il va falloir expliquer peut-être aux parents pourquoi le père Avalanche, lui, il est prêtre, on le voit consacré, l'Eucharistie. Il y a certains stigmates qui sont frères uniquement, qui n'ont jamais célébré la messe. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon fils, il dit qu'il est religieux, et puis il n'a jamais fait ce qu'il fait un prêtre. Donc ça aussi, il faudrait... Oui, il y en a beaucoup. Il y a des congrégations vraiment, il y a beaucoup de frères, comme sur les frères Marianis, où il y a beaucoup de frères. Et là même, bon, c'est après même qu'on choisit ceux qui devaient devenir prêtres. Donc, y a la précision, est, il faut vraiment faire la précision. Alors, il y a quand quelqu'un qui a sonné, aujourd'hui, qui est souci, il y a une confirmation, et il y a une maman. Il y a un sacrement à mon tour, 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 il y a un sacrement à mon tour. Na ehika no e ajama zama zama no peli kajeni ibio abe mo be fele be religieux dia ba ben jama jama zama zama koso bende ma peli koso be fele be religieux be fele be religieux na religieux so mo so ni mi mo abe koso be te peli idia be fele be religieux prêtre be fele be religieux peli comme vous kaye dia mo na miemo koso obeni beti religieux koso bende ma pere benyo ma sonin ke ye unbe ke beji no han be yu asonin ni be ma ye communion yo koso beti religieux be le juma don mo beti asonin ni yo be le juma don be le di asonin ni na ye ka kwa mo ye bon be yu ni o ti ke zozu kristo so sie mo ye bon be si so ni be die die mo be kulo ye ba fa ni yo be kulo ni se kulo ke ka ti pere ya ani e ko pere ya to na so
na pere atena so ne kwa ke ewulu basama kpaso nanu e ka ti pere na kwa ke kuso ewulu aso pere mu eku mo be fere be region ne kwa ke ewulu nu hu akoso e ka ti pere ye be mo ye be ja ba ja wan zon zon de die se ye kwa ye sibe ye ewulu eku so nanu kuso a na ke eku kwa nu ye be ka ke ewulu nu ala ne e ka ti pere ye eku mi mo nu ha o be ni ewulu nu ha enga ti ma pere etike be fere be fre etike aniyama atia aniyama eku o ibu nani aniyama eku ya aniyama eku so ni moye ba yoni juma don wonu ho pa ke di e di juma ke be ni wan kun bia la ma obe ni o de ma ke bia o de de o de ma so a e de be mu wo na so na wo mu nu moye mo o wa hun ni mo wa e yoni ye bon odike kati aniyama ai kati aniyama so ni a ani o juma ni e di ke Jesus Christ yore ni e di na se o kuso okulo o wa hun nu ke kati pele e wo ku ni kuso e kati pele a ani e wo ku mo ye pe kwa ke be kati pele nu ni e wo nu wa kuso a e kati pele e se ti aniyama kuso ye ku mo bo ye fere ye wan aniyama aniyama ke be kana ni fanze ma wa fe e pre ke ye ni ma frate ke ma kan fre fre aniyama on dit ma ke egumo ye biete si e biete biesi ko si e mangon biesi e mangon na ko tinane no ti egumo ye o ti ke aniyama eku aniyama eku fanze ma wate eku de fre la vie religieuse c'est une vie de fre c'est une vie de frère, c'est pas une vie de celui qui y a un patron et puis il y a des subbaptêmes. Non, c'est une vie de frère. Il y a quoi, il y a Tianiama, il y a Diokon, il y a Tiafriyekon. D'autant plus que nous sommes de la même famille, nous avons tous le même idéal, on s'appelle frère. Et chez les femmes, Maso Amadi Abefelebe, c'est on les appelle sœurs parce que nous avons le même idéal, nous sommes tous de la même famille, la famille religieuse. Mm-hmm. Du coup, ça nous amène à parler de... Excuse-moi si je... Non, c'est bon, c'est magnifique, c'est ce que je veux. Je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de faire son action et bizarrement, c'est comme si j'entendais ce que vous êtes en train de dire là en français directement. Donc du coup, ça nous amène à parler de la nouvelle Pentecôte. Ça nous amène à parler de l'apostolat du religieux. Quand on est religieux, qu'est-ce qu'on peut devenir? Vous avez dit tout à l'heure, Nani, vous pouvez devenir religieux, prêtre. Et puis, si vous êtes prêtre, ce n'est pas parce que vous êtes un sous-homme, mais vous êtes un homme, c'est un choix. Vous êtes un frère, c'est pas choix de vie. C'est ça. Maintenant, mon fils veut devenir religieux. Quand on est religieux, est-ce qu'on peut être médecin? Est-ce qu'on peut être mécanicien? Quel est l'apostolat du religieux? Merci, Mdawaseke, Ebisame, Kosoa, Kaï, Kosoa, Mobisa, Kaïwa. Asso, c'est un kachi. Pare, anabo e kachi aniyama, e ku aniyama mwe felebe religion ni se kachi biye ba. Aso, juma aso medi ne, e kwa ke di juma be ku mwe ye bo, te ke bo, o te juma mwe ye o mani, mwe kwa ke di biye ke dokte mo, anabo mwe kile sukuru, anabo mwe ye, be yo ninge, be kwa ninge, be yo eka mwe kwa ti, akwa aso e kwa biye di yo. Alors, je réponds que... évidemment, nous pouvons être religieux et avoir un travail, un service. Mais il faut préciser que ce n'est pas un travail que je fais parce que moi-même, je décide d'être professeur, d'être docteur. Je peux avoir le désir, mais c'est selon le besoin de la communauté que je deviens soit religieux, médecin, infirmier ou enseignant, professeur ou bien, je sais pas moi, il y en a plein d'autres... responsable éducateur, éducatrice, informaticien, professeur à l'université et tout cela. Donc, du moins, je suis un peu plus de temps. O sang ke se e ka awolo e kurso na nu on de ma ke bie so amini na bo en go e ne fangan ko an de san ko e pa ke olo ne ku mo le be fonu e ku mo mi mo be o be ni a e wulu nu a be de de be chinchin die o le moto ni mi mo ko so be o be ni a be chinchin die o le a so ni nzole yole ni
zuke di ke di o di ke bo mani mwi o ka tinzole a son imi anese a wule ku so na nu ke bi mo be mo ye be yo moto mo ke be fele be mo ani mo mo be die die be le ba wulo be wulo nu be die die hali shan bi ala moto ye be yo nu be to e moto e be yo moto e mama o ma mani kaji o ma mani ko yu nu o ma ye monu mo ye gba o monu nya sale ye be ma ko so mo ye ye un be a so ni mo nu mo ye be yo ka de si be le docteur yen don yo ku lo ma so se mo ye be wa le docteur be wa le ho ye be da wole mo be ye ka mo kwati e se be mo ye be sukulu mo ke ma fa le lo han so ma se mo le be sukulu ba kan bi mo ye be o be ni mo sukulu so ni ana mi ada wo ma o ma ye ma tu ma mo be su ka ta ka ma pa ba ko ni be ko so be yo sukulu be ma me ane e ka kwati o ti dumo ye be dio o ti dumo ye be dio ndi se o wa bi e bo na se mo ka chi pali ana ba o wulo ku so mo nu bo a na ma bo jiji wo na mo yo ya le o san ka kwa ko wulo nu ho e hi mo de un ya ka chi dokte ane do te ma ne ku na ko ka chi da ba ni nya mi ada wo ma ja se ya ka chi jote se o te pali ana ba o te se ya ti e so te dokte ku so so ke ye ba so ma ko so na so ndon 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 be ti pali e se be ti dokte ni mo bo be kire sukulu imi mo be yo ndon nti na ma bo oyo ye yare ke bi a o wa ba nkuru ke mi ka ti pelu o ana mi ka ti sa ana mi wuru ku ka nu ha awon ye ana ode de he ko na nzuke ana emu ne ni juma e ma na mi sika enyo soa ibi ala ye mi mo ye ya fere ni o se mo ye o kunde ma o ka ti ni o le seigneur qui les appelle nous appelle à sa suite c'est comment nous utiliser dans le monde et il peut bien faire de nous des religieux simple dans une communauté pour seulement assurer la vie communautaire, l'apostolat, même ne serait-ce que même préparer pour ses consoeurs, c'est une mission, c'est un témoignage aussi. Il y a, je disais tantôt tout à l'heure à Nani, qu'il y a des communautés religieuses selon leur vocation qui sont des communautés priantes, méditatives, qui ont pour charisme vraiment de prier, entre autres des communautés de moines. Et vraiment, la base, c'est d'être dans la vie monastique où il y a la prière, comme à l'image de Saint-Benoît et toutes les autres communautés qui viendront après, les autres moines qui viendront après. Donc, ils sont chez eux, ils ne sortent pratiquement pas. Et il faut dire qu'ils font des vœux de stabilité qui fait que quand tu rentres là-bas, tu n'as plus vraiment tu ne retournes plus véritablement chez toi. Tu restes là-bas, tu vis ta vie de moine jusqu'à ce que tu meurs en tant que là-bas. Dernièrement, à Grand Bassam, ici, chez les sœurs de Cam, les Carmélites de Vitré, il y a une sœur qui est décédée, mais on l'a enterrée au monastère, là-bas, tranquillement. Donc, par contre, dans d'autres communautés, on appelle les communautés apostoliques. C'est-à-dire que nous sommes sur les paroisses, nous sommes dans des villages, dans des diocèses, où nous avons pour mission peut-être d'assurer l'éducation, l'accompagnement des jeunes filles, l'alphabétisation, la dimension médicale, donc ouvrir des centres de santé et tout cela. Donc, chaque congrégation vraiment a sa mission, a son apostolat. Okay? Mais de tout cela, il faut retenir qu'on peut être à la fois religieux, surtout ceux qui sont dans les missions apostoliques, d'être à la fois religieux et aussi avoir une tâche, une mission, un travail concrètement qui aide à subvenir aux besoins de la communauté. Super. Et non à ses propres besoins. Quelle grâce y a-t-il d'avoir un prêtre ou une religieuse ou religieuse dans sa famille? Alors là, je crois que les parents seraient très bien placés pour répondre à cette question. Mais mon expérience personnelle ou bien l'expérience que j'ai vue, je crois que c'est une grâce. C'est une grâce énorme. D'ailleurs, quand quelqu'un est consacré, ça veut dire quoi? Consacré, ça veut dire que il est confié à quelque chose, il est sous l'emprise de quelque chose, il est oint. Donc, imaginez-vous que vous êtes dans une famille et puis on dit, bon, dans ta famille, là, il y a un roi dans ta famille ou il y a un président dans ta famille. C'est un honneur, c'est une fierté. Et maintenant, on te dit qu'il y a un roi, il y a un consacré de Dieu qui est dans ta famille. Alors là même, la grâce est surabonde. Certainement que les gens ne font pas suffisamment attention à cela. Mais il faut dire que, affilié bien là, nous, hein, là, c'est. On vit ça, mais qu'est-ce qu'il y a?
Asso, il y a des affiliés qui sont en train de se faire, qui sont en train de se faire. Asso, on a des salariés qui sont en train de se faire, on a des affiliés qui sont en train de se faire, on a des affiliés qui sont en train de se faire, on a des affiliés qui sont en Otala ehimia ngbanso o sanke a unsomo ye ya mi afa asasi esomo ye ongachima sari ongachima ngongachima ajapade o mama ya filenio imu no ha ne Jesus Christ na ye vanzi ni nka yo so anu ma be moyo ongachima yin vidie ni nge bia la o manzi mama somo ye ongo nyama mo obotala so mulolo mbe mi mane bia la moye ajachini ye mi ne fa mawo inti se afide ni na se nke bien à Kati Pelia, na au Kati, c'est Swabonia, ou de Kedan Yamiasse, ou de Kedan Yamiasse, ou Sanke, ou Tilke, Pamoye a fit de l'eau, ou Tilke, Pamoye a fit de l'eau, ou Tilke, Nake, Bia, y'a un bon bas, y'a un bon yon duma, y'a un bon yon yon yasika, y'a un bon yon naka, quoi yon chien, ou Sanke, Moyemi, Salian, un bon moya fire, Mike, of Amane, Abraham, ou Isaac, ou Nobe, quoi, Mobo, Babu, ni moye, Yami, y'a un son yon fare, San Yabe, sonne. A Japadia, son ma femme, mané, Benny. Salia, son ma femme, mané, Bessonne. Et quoi, ni, y'a vu ni moye, Bibanyambi. Parce que so oye la be so ale chambiana aso e ma un ke bi e mo ye yakachi ke mbenbi mbenbi fo a wulo aso e kan ke mi me metemba na ko mo ye yakachi ke zo zu krisi mbenbi yakachi ke aso ni ni mbenbi yakachi ke ye mi afa sane ya ila aso ne isu su mu wanza wanza ne o aso ne mo ya ale chambia la e di zo zu krisi so si ne aso o tin mbenbi tarali ke bi ala o tin mbenbi tarali ke bi ala o san ke mo ye ye mi ayo amain ni Vous avez dit que le Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour le consacrer, il en a fait, les grâces ont déjà eu sur sa famille et aussi. Ah, super, c'est intéressant. Vous avez dit tout à l'heure, avant juste cette question, que le religieux pouvait travailler, il pouvait être même ministre, même président, vous l'avez dit, il pouvait être enseignant, éducateur, vous êtes éducateur, infirmier, vous êtes infirmier. Mais d'où vient le fait que moi, mon fils, il est religieux? Il travaille dans une école, il est éducateur. Le fils de Madou aussi est éducateur et c'est lui qui a conçu la maison de ses parents. Moi, mon fils n'arrive pas à construire ma maison. Donc, cette affaire de religion, on dirait qu'on m'a arnaqué. Mon fils ne dit pas la vérité. D'accord. Merci pour cette question. Alors, je fais une petite précision par rapport à la question d'abord. Il faut dire qu'il y a des fonctions. Il y a les fonctions dans, que nous connaissons, mais il ne faut pas aussi dire que le religieux peut être président ou bien ministre, parce qu'il y a des fonctions qui sont liées à la politique, donc au pouvoir politique. Mais des fonctions ordinaires de la vie d'un laïc normal dans une société qu'on connaît, c'est ces fonctions-là que peut exercer le religieux. Pour les questions de nomination, les questions politiques, ça, c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat. D'autant plus que l'Église et la politique, c'est vrai que c'est pas séparé parce que nous sommes dans la société également, donc nous devons faire la politique. Mais nous ne faisons pas la politique. Le religieux ne fait pas la politique pour devenir forcément président ou religieux. Peut-être qu'il peut être là pour une transition, pour apaiser, pour être un acteur de réconciliation et tout cela, comme Monseigneur Wana qui avait géré la question de la réconciliation, commission de réconciliation. Donc c'est un peu ça, mais pour dire que politique, il faut mettre un peu de bémol dessus. D'accord. Yeah. Mais cependant, vous avez fait la comparaison. Moi, j'ai mon fils qui est religieux éducateur. Il n'a pas construit maison. Il n'a pas construit maison ou bien il ne me donne pas de l'argent. Et l'autre est le fils de mon voisin qui est éducateur également. Les deux travaillent peut-être même dans la même école. Et voilà que lui, il a construit, On voit les fruits de son travail. Et on voit les fruits de son travail. Et chez moi, alors, seulement là, on ment. On a l'impression que, bon, c'est une mauvaise semence. On a semé, mais on ne récolte pas les fruits de notre semence. Et donc, ça fait douter un peu de cette affaire-là. En tout cas, il y a un moment, Pierre Lévy, ça veut dire qu'enfin, vendront que annon il dit, c'est quoi? Il y a un peu de
yaulo rejo mo kuni yen yakaji esebo yakaji edikato na bo okire okire sukuru ana te docteur ye imangun mo be mo ikoso on de ma religio ikoso ate docteur bi ya unka imangun ne awa ni na siswa ya ma ese ya ma emi obele bozika esebo oyo ni gendo ma be ye me die mo yakaji pel yakaji ma sene mo e won ate docteur ni be nwi bo be nwi ti be nwi bo on mari misika asebo oziso amani mame ane se idia mo yakaji ni otike bi bo afengba otike ya afengba ane obi same aso na do bi bo ye onu ha benio ya mi gam play ke na do aho na to na ibiala otike ye tebo paboko ke ane i pali mo yakaji ni i ya japade ni owo ni ha I kale on betuwa a saabia la ne afi o kile sukulu o betuwa kale ye o te do te betuwa kale ane kale on betuwa sa saabia la ne kale esika so ni ofa ko ni ha esika so ni ofa ko yi I afriye fofo ni anu ye ku mo onu ane ofa ko nu o san ke eku ni atuwa ya ni a oni anso ali chian bia la de mo ye ofo ke o oye ni ke bia la o eku ni oni ayo ane eko so die mo fa ba ekuni ma ekuni ko yunu ni otike ba adulo mo yedudu ani ye tutu adulo so ni ma ekuni ko yunu ha ane die mo okonyani ofa ba ekuni e die mo okonyani ofa ba ye afide fode ni onde ma ke ofa ko ma wo ofa ko ma ye ninu ese ma be ko so na ke me kan ke na ke ilu a fi invilier ni Il faut alors, je disais tout à l'heure, qu'il faut pas, faudrait vraiment comprendre que le religieux n'oublie pas sa famille. Le religieux n'est pas quelqu'un qui est coupé complètement de ses racines. En Agni, on dit, c'est la route qui, de devant qui peut se fermer, mais la route derrière ne peut jamais se fermer. Donc, il ne peut pas oublier, il ne doit pas oublier d'où il vient en fait. Donc, na otikeli ke moyen. A fa shi asone o ma o me wa ka de mo wa ka ma fa wa asone ni asana o lu eku ni bebe obi sa o ke mi ni ma na mi se aso e de tu nu ke o wa ni o lu aso o lu eku ka nu o fa un ma eku ni boko o nza ma izi nku o wa yo mi de mi tu nu ha ale atu nu ane na un de ke o fa eku ni aja pade ni fa bele wo na ma mo ye ya nya ke kai ke kwa mo ya nya ne e un ya fa e ahune ne ya fa e un li ke bia la ne i aja padio isi ka ya fa kwa ya ulu eku ni on fa nza ma izi nko on fa mele ma wo ye se bo e mi ya li ke un na se bo mande ne bo bu ka wo changu kun kun a na ma yo chinje mo ya li shan bia la ne efere ye e ma se ye ma mi o ye mo pe ye ma mi o ki ka bo bo mendon bo be nya ma la je fe so ala ye ye ni ama mo ye nvili ye mo ye kwati bi e be si be so ali shan bia la ye mo pe ye o ko so e ni o ye so aye so a se anwa anwa afa ma nya mi ani a afa sa be na ma ni na fa mo afa sa fa ma ni sa fa Ce que la main droite a déjà donné, que la main gauche ne reprenne pas. Mm. Alors, parce qu'il y a des familles, et souvent le prêtre devient l'homme à tout faire, souvent même le financier, souvent le bienfaiteur par excellence de la famille. Alors, il ne faudrait pas que les familles donnent cette pression-là aux religieux, aux religieuses. Parce que c'est pas facile pour le religieux de voir sa famille et chaque fois on l'appelle, il y a tel besoin. Et comme il est dans la vie religieuse et il n'a pas... Cette liberté-là de dispenser des biens de la communauté comme si c'était ses propres biens. Parce que son salaire même est un bien de la communauté. Sa personne même est un bien de la communauté, est un patrimoine de la communauté. Donc, il ne peut pas dispenser de ça comme il le veut. Alors, il a besoin forcément de l'autorisation, tout ça là. Donc, ne donnez pas cette pression-là aux religieux, aux consacrés, aux prêtres. Pour chaque fois, il faut venir faire ça à la maison, on a tel besoin à la maison, au point où finalement, on devient comme des personnes qui ont donné, mais en même temps qui reprennent aussi avec l'autre main. Et donc le religieux est obligé de souvent prendre les biens de la communauté pour donner à sa famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Super. Et donc que les parents, que vous tous qui m'écoutez, moi quoi moi yebe ti emene ene hikane mkan kwe mo kayo na ma emo ma pele mo no se mo kachi ya ofwe
Ne faisons pas de nos frères, de nos religieux, religieuses, de nos prêtres des voleurs, des dilapideurs, des biens de la communauté. Ne leur donnons pas la pression. Par ailleurs, un religieux aussi doit être sensible vis-à-vis de sa famille, par son assistance, par sa présence, par ses prières surtout, par ses prières. Mais les morts, nous sommes nous ne pas moi, il y a un bébé qui se sonne. Moi, au bon moment, dis-nous, du coup, je m'en fous bien. Je les bénis. Je suis un bien, je suis un signe vraiment de prière, de compassion, de modèle pour la famille. Et que par ces prières-là, Dieu suscite aussi des personnes nantis pour la famille, pour les besoins, pour subvenir aux besoins de la famille. Ce qu'il a, il a laissé, ou le vide qu'il a laissé, là, que cela soit comblé par d'autres personnes, par leur travail, par leur bien. Et non qu'ils deviennent le bienfaiteur de la famille. Et puis pour terminer, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour terminer, on va essayer de se focaliser sur le regard des membres de la famille ou du village, de l'église, d'où sort le religieux, sur le religieux, sur la religieuse. On entend souvent des commentaires désobligeants ou des appréciations, hein, du genre « Ouh, il est beau, prêtre, elle est belle, religieuse !» Et puis après, ça rentre dans l'indécence. Et puis, ça pourrait aboutir ou bien susciter un certain nombre de, oui, un certain nombre de pensées qui pourraient faire faiblir la religieuse ou le religieux dans sa foi, dans son engagement. Donc, il faudrait que les parents prennent cela en compte et dans leur appréciation fassent attention. On peut apprécier. Mais de là à dire, joli produit comme ça, tu es en train de gaspiller ça. De là à faire faiblir la foi du religieux ou de la religieuse. Père. Merci pour cette question. C'est vrai qu'on ne fait pas trop attention à cela, mais c'est une réalité. Il y a souvent des comportements un peu indécents vis-à-vis de consacrés, vis-à-vis des religieux et des religieuses. Et donc, c'est d'attirer l'attention de tous ceux qui approchent les religieux et religieuses, de les voir comme des consacrés, c'est-à-dire des personnes qui sont mises à part, des personnes mises à part. Et on peut apprécier une personne, et c'est bien beau d'apprécier d'ailleurs, quand Dieu créa le ciel et la terre, il vit que cela était beau. Donc, quand Dieu dit vit que cela était bon, c'est une appréciation. Donc, quand tu vois quelque chose de beau, tu dis, ben, c'est beau. Donc, un religieux, une religieuse qui est beau, tu dis, il est beau. Souvent, on nous dit, non, mais t'es un prêtre choco. Bon, ça peut passer. Mais si ça s'arrête à l'appréciation, d'accord. Mais quand ça va jusqu'à la tentation, à des formes d'harcèlement, à des formes de désir, alors là, il faut contrôler. Et que quand même, quand on dit, Il y a un bon, Naibia la kosumo ye imo ya boye ni mo se koti kama so o ya fa ya ma ya o si so ni o ti te mo ya yo ndi mete o san ke kama ko so iko so bo ka ko ka ti pele bi na te na la yo ka ti ke pele ni na ete bon mo mo nu afrika ma ni o ti ahune o wa ahune nu ane se bo ye ka ke bo ye da ya mi asiko ti kama ni na ma ye bo ta la so na ma ye yo di mo bata so ne exagérons pas. Il faudrait que nous sachions faire les limites, la part des choses, l'appréciation, d'accord, mais il ne faudrait pas déborder au point où ça devienne une forme d'harcèlement. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans le cas de quelqu'un, il y a un cas de quelqu'un, il y a un cas de quelqu'un, bon, maintenant, il n'y a pas beaucoup de choses, il y a un cas de quelqu'un, il y a un cas de quelqu'un. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire les bénis. Nous devons faire les bénis.
Nous devons prier pour nos prêtres, nous devons prier pour les religieux, nous devons prier pour les religieuses, de telle sorte qu'ils puissent vraiment respecter leur engagement, leur choix de vie, leur état de vie, respecter leur état de vie. Il n'y a pas de mots qui sont morts, il n'y a pas de mots qui sont morts. Il faudrait que les prêtres et les religieuses aussi respectent leur identité aussi. Il faudrait qu'on se respecte nous-mêmes d'abord. De telle sorte que les gens ne nous banalisent pas, ne nous minimisent pas, ne nous tentent pas. Parce que de la manière que tu te donnes aux gens, c'est comme cela que bon, les gens vont t'apprécier. Et c'est vrai que on le dit souvent que la chair est faible, non? On a dit le Seigneur qui nous a appelés à sa suite nous donne toujours la force par la prière à résister aux tentations. Alors que ceux qui les apprécient ne n'exagèrent pas. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, Père. C'est très aisé de parler avec vous, de faire de la catéchèse, de la vie religieuse en Agni. Ça nous donne envie de parler d'autres choses, mais pour l'heure et pour cette émission, on va s'arrêter là parce que la deuxième partie va suivre et le temps est compté. La prochaine fois, on aura peut-être le temps de pouvoir revenir sur d'autres éléments très importants également, comme ceux que nous venons d'ébaucher. Merci à vous d'être passé nous voir. Alors, c'est moi qui vous remercie. Merci pour cette occasion que vous me donnez. Alors, on peut passer toute la journée en train de parler de toute la semaine, de la vie religieuse et tout cela. Surtout que nous sommes un peu barbares, nous autres. Mais c'est une joie pour moi de passer sur l'antenne de la radio Espoir et également de la radio P108 pour partager l'expérience de la vie religieuse avec mes frères et mes soeurs, surtout en langue Agni. Merci. Et je voudrais inviter, je profite de l'antenne pour inviter tous ceux qui sont dans la communauté religieuse, tous ceux qui sont prêtres religieux, Agni, de vraiment s'intéresser à notre langue. Que les parents qui ont des enfants qui sont au séminaire, même pas au séminaire, mais il faut vraiment revenir à notre langue. La langue, c'est vraiment la première culture. C'est notre première culture, c'est notre signe d'indépendance, c'est notre fierté. Il faudrait parler la langue maternelle aux enfants. Et toutes les langues maternelles d'ailleurs. Mais surtout chez nous, les Agni, elle m'a dit, ma ben moye ben wa ben si zuzu kisu ben wo ye san vi mani o wa ni mani ni be ko so ba be table bi be table pa be ti evangeli nambo zuzu kisu nu ojo ni be table anyi nu ha nti emo ba mon deni ma anyi nu asoni yole ni yo o ko yunu ke le retour de la catéchèse en Agni, de la langue Agni, de l'évangélisation en Agni là soit vraiment puisse aller de l'avant. Et nous remercions tous les pères qui s'engagent vraiment pour cette mission. Et je voulais terminer pour dire merci. Merci à Monseigneur Raymond, qui nous a donné l'occasion, avec l'Union des religieux, de faire cette catéchèse de la vie religieuse. Depuis 3 ans déjà, nous le faisons sur les antennes de la radio, mais également aussi dans les paroisses, un peu partout, avec des activités où nous parlons de la vie religieuse. Merci, Monseigneur, pour tout, merci pour l'occasion, aussi pour l'honneur que vous faites à la vie religieuse et aussi à tous les religieux du diocèse. Merci à l'Union des religieux et religieuses du diocèse, à sa présidente, à la sœur Emma et à tout le bureau. Merci à la Radio Paix Sans Vie, merci à la Radio Espoir qui nous reçoit aujourd'hui pour cette belle émission. Merci à Pierre Kipré qui nous a... Vous voulez voir le paquet qu'il est en train de parler comme s'il avait pris son billet d'avion pour aller aux États-Unis demain. Merci mon père. Il y a donc deux personnes qui nous attendent pour nous présenter leur congrégation. Et puis merci d'être venu nous voir. Au revoir. Au revoir. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit.
et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours.